Tu travailles à nouveau depuis un certain temps et ton corps a besoin d'exercice. À force d'être assis, tes hanches deviennent toutes rouillées. Tu as les yeux et ton cerveau qui fatiguent. Alors pourquoi pas prendre un petit moment de pause? Je suis Anya et je vais te montrer en seulement quelques minutes comment tu peux recharger tes batteries en quelques pauses de yoga. Je vous montre l'enchaînement une fois du côté droit, puis du côté gauche. Cependant, sentez-vous libre de répéter plusieurs fois l'enchaînement à gauche et à droite. Viens à l'avant de ton tapis. Positionne tes pieds à la largeur de tes hanches, le haut du corps bien droit. Grandis-toi en direction du plafond et abaisse ton coccyx vers le sol. Respire une fois profondément, puis amène tes bras au-dessus de la tête, par le côté. Et abaisse-toi en avant. Laisse ta tête pendre en avant, puis redresse-toi en diagonale. Allonge ta colonne vertébrale et reviens. Éloigne en arrière ta jambe droite. Regarde à ce que tes deux talons soient sur une seule et même ligne. Puis par l'avant, redresse-toi et viens dans la deuxième position du guerrier. Tends ta jambe gauche et reviens bas avec le bassin. Nous allons prendre la position inversée du guerrier. Tends ta main gauche vers le plafond, éventuellement dans une légère hyperextension, et reviens ensuite vers l'avant. Viens ensuite poser ton bras sur ta cuisse sans trop te soutenir. Allonge ton bras droit dans la ligne et reviens en position inversée. Pour la deuxième fois, va plus bas, plus loin dans l'angle. Viens poser la main au sol, si possible à l'intérieur de la cuisse. Ensuite, amène ta main droite plus bas, avance-toi vers l'avant et en diagonale. Maintiens tes mains. Respire quelques fois profondément avant de te relever. Et reviens gentiment dans la deuxième position du guerrier. Tends la jambe gauche, pousse ta main droite horizontalement vers l'avant et plie-toi en triangle. Viens bas avec ton bassin, tourne ton pied gauche, le talon reste au sol. Puis change de côté plusieurs fois. Change plusieurs fois lentement, en contrôle et en faisant attention de bien garder tes talons au sol. Puis reste sur ton côté droit. Tourne ton pied gauche à 45 degrés, les deux talons sont sur une seule et même ligne et reviens dans la deuxième position du guerrier. Et nous allons reprendre de l'autre côté. Tends ta jambe droite et abaisse-toi. Allonge ton bras, viens en position. Reviens, agrandis l'angle. Appuie ton bras sur ta cuisse sans trop te soutenir. Et revenir dans l'extension. Et reviens en position inversée. Agrandis ton ongle et abaisse-toi. Viens poser ta main par l'intérieur de la cuisse droite. Ensuite, baisse ton bras gauche. Étire-toi vers l'avant en diagonale en maintenant tes mains. Et laisse bien pendre la tête. Respire profondément une fois, à l'expiration, reviens en arrière avec les mains, redresse le haut du corps et viens à nouveau dans la deuxième position du guerrier. Tends ta jambe droite, pousse horizontalement vers l'avant et plie-toi en triangle. Écarte bien tes mains. Puis reviens en position du guerrier. Tourne tes hanches vers la droite, puis ramène ton pied gauche vers tes mains. Laisse ta tête bien aller, laisse-la bien pendre. Ensuite, plie un peu les genoux et redresse-toi gentiment. Tiens-toi bien droit, puis amène tes bras au-dessus de la tête par le côté. Joins tes mains devant ton cœur. Namasté.